Allez, on démarre un nouvel épisode. On va à Zandvoort, bien sûr. Ceux qui veulent voir les épisodes précédents, c'est sur YouTube. Vous avez toute la carrière à la fois YouTube et Twitch. Qui est sur YouTube, n'hésitez pas à aller sur YouTube. J'arrive plus à parler. YouTube aussi. J'ai un petit doute. Faut bien résilier ses abos après là pour bénéficier des réductions. Non. En fait, Ujin, quand tu prolonges par exemple de 3 mois, t'as la réduc. En gros, si t'es déjà abonné mais que tu prends un seul abo, t'as pas la réduc. Par contre, si tu prolonges de 3 mois, t'as la remise des 3 mois et la remise du September. Donc, double remise. Voilà, donc c'est ce que je vous conseillerais de faire quand on sera au September. Ça a changé encore. Alors, je crois que le fait de résilier l'abo, c'était un glitch. Hein. Parce que normalement, ils disent que quand t'es déjà abonné, en gros, t'as pas la remise et tout. Mais par contre, ils disent bien dans le truc que si tu prolonges en prenant 3 mois, par exemple, t'as la double remise, en gros, du September et de la remise de plusieurs mois cumulés. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Oh, le T-Bot qui vient de prendre de son sub le 32e mois. Merci, mon T-Bot. Merci beaucoup, T-Bot, ton amour. Ah merde, on n'a pas fait la roue pour le nerf une écurie du flop. Bon, c'est pas grave. On fera sur la prochaine roue parce que de toute façon, nerf une écurie du flop, ça va pas impacter trop les games. Et là, si on est à 12 points de tourner la roue, très bien. Amélioration terminée, centre de conception. Ça, c'est tant mieux. En sachant que on a quoi? On a que des recherches. On a une conception en route, mais c'est pas ouf. Ouais, pas terrible. C'est qui remplace Bottas dans ton écurie? Isaac Hadjar, messieurs. Isaac Hadjar, look at him. Look at this booty. Is this beauty. C'est pas ça que je voulais faire. Pour l'instant, alors Norris, c'est le meilleur pilote à l'heure actuelle. Chez McLaren. Verstappen. 92 derrière. Alonso 90, Leclerc 87, Russell 80. Oh, Hamilton, il a 87. Ah ouais, il a craqué complet, quoi. Ah ouais. Gasly 87, Perez à Jean-Libre 86, Yukobi 85, et Hadjar, il a que 79, je crois. Ses stats, elles sont comme ça, mais il est enthousiaste, alors il a un petit boost. C'est quoi ce multiverse? Ah écoute, c'est notre game, hein. Notre game, elle ressemble à aucune autre. Parce que des fois, il y a des pilotes qui sont boost, des fois, ils sont nerfs, etc. Salut Sinox, comment vas-tu? Résultat du vote de la réglementation. Qui a voté contre? Mercedes, Alpine, Williams, As. Mais les autres ont voté pour. Très bien. Bon, là, on n'a rien à changer pour l'instant. Normalement, en termes de perf, on est bien, les gars. On est la deuxième ou troisième écurie. On est très proche de McLaren. Non, de Red Bull qui est la première. Ou c'est McLaren, je sais plus. J'ai l'impression qu'on a perdu un peu là. Non, troisième, quatrième. Ouais, on est toujours la deuxième voiture. Mais pourquoi il y a une voiture qui est devant nous là, mais pas la deuxième, genre? On devrait être 3 et 4, mais ça veut dire qu'il y a une voiture, seulement une qui est devant. Une Red Bull? La Red Bull de Max peut-être? Ou de Pato? C'est celle de Pato? Mais non, celle de Pato est plus rapide que celle de Carlos. Oh les bâtards, ils priorisent Pato Award que Carlos Sainz. Si, c'est Tsunoda plus 100, il a pris, ouais, Nolan. Non, Alonso, il a la retraite. Verstappen, il est chez Merco. Il est chez Merco, Verstappen. Et la voiture est pas folle, quoi. Il galère un peu. McLaren, ils sont pas mal aussi. Mais en Axel, pareil, pas ouf. Mais c'est... Attends, c'est Ferrari, du coup, qui est juste derrière, maintenant? Ah! Pourquoi? Ils ont pas les pièces! Ils ont pas les pièces! Attends, c'est aujourd'hui le... Alors, soit ils vont le remettre juste avant. Mais là, ça veut dire que George Russell, ils ont pas les bonnes pièces? Ils ont remis des anciennes pièces ou quoi? 22e. Mais pourquoi? Attends. Mais qui est pas loin, du coup? Qui est... Alpine, non? La catastrophe. McLaren, ok. Red Bull, ok. Mercedes, non. Williams, non. C'est une folie, la voiture de Fefe, là. Regarde, lui, il a 21. Il est 11e, 9e, 5, 5, 5. Et regarde, juste Russell. 22e en VMAX. Ah ouais, Russell a une voiture dégueulasse. Non, il n'y a que Russell. En fait, c'est que je pense qu'ils ont pété des pièces ou quoi. Ou ils n'ont pas les pièces qu'il faut.
Et du coup, regarde, ils sont 22e. Alors que Hamilton a une voiture... Bon, là, non. Ils doivent leur manquer un aileron avant ou je sais pas quoi. Leclerc, il est chez lui. Leclerc, il est à la retraite. Il est pas à la retraite, mais il est chez lui. Genre, il s'amuse bien. Il est plus en F1, il avait plus envie. Bonjour et bienvenue à toutes et à Piastri tous. Chez Williams, ouais, alors, ça arrive. Il y a eu des... Voilà, ils sont... Il y a eu des choses, hein, les gars. Il y a eu des choses, hein, c'est comme ça. Hein. Vous savez, la vie, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Métamodé, ouais, il y a eu... Non, en fait, les gars, nous, on a une roue qui, lorsqu'il y a des subs, etc., il peut se passer des trucs. Des fois, il y a la roue, ça peut tomber sur transfert. Et quand ça fait un transfert, ça veut dire que un joueur est tiré au hasard, un pilote est tiré au hasard dans la roue et il peut partir. Et c'est arrivé à Piastri. C'est arrivé aussi à Verstappen. Ça peut arriver. Et encore, il aurait pu arriver chez Haas, hein, donc ça va, ou chez ou ailleurs. Une saison off, le Charles, c'est ça. Une petite saison off, tranquille. On va remettre les moteurs et le RS. 65 sera très bien. Alors on va mettre ça. Mais tu pourrais le prendre à la place de ton Bottas en fin de vie. Mais j'ai plus Bottas! J'ai Isaac Hadjar maintenant, mais tu suis même pas en fait toi aussi là. Putain, vous rendez fou. Tu suis pas en fait. Attends, j'ai 3 minutes de pub. 3 minutes de pub, c'est ça qu'on aime. Super. Bah non, j'ai rien vu depuis. C'est vrai. Non, Bottas, il est plus là. Hein. Mais non, on est avec... Isaac Hadjar. C'est Isaac Hadjar qui est tombé. Avec la roue, hein, bien sûr. Ok, regardez les notes de Kobe, pas mal. Hein. 96, 91, 92, 90, 93. Isaac Hadjar, 87, 85, 87, 88, 81. C'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal du tout, en vrai. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, vraiment. C'est bon, je suis là. Impec. T'as raté plein de trucs. Je suis désolé. T'as tout raté. Ok. Non, pas du tout. En gros, Kobe, c'est comme un regen. Ouais, on peut dire ça. Il va faire beau à un moment donné? Oui, bon, on va pas sortir, on va pas se faire chier. On va pas se faire chier à sortir maintenant. Ah non, il est pas cheat. Parce qu'il avait des... En fait, si tu veux, ce qu'on a fait, c'est que on a créé un perso et il avait entre 75 et 80 et 85. Et à chaque caractéristique, on a fait tourner la roue pour savoir si c'était 75, 76, 77, 78 jusqu'à 85. Et en gros, il a eu en moyenne, je crois, 81 de général. Et pareil, on a fait tourner la roue pour savoir s'il allait avoir un potentiel important ou pas. Le chat ne savait pas sur quoi c'est tombé, moi oui. Et bah, il a pris 3 points de gêne depuis un an et demi. Donc ouais, il est pas si mal. Il a un bon potentiel. Il a un beau potentiel. Attends, ils sont vraiment en train de sortir là ? Bah il est complet, il a des stats sympas, ouais. On va attendre du coup parce que ça va être sec. Eux, ils sont sortis comme des cons. Vraiment, ils sont trop bêtes en fait. Et tu vas voir qu'ils vont même pas ressortir. C'est nul parce que l'IA ne sort pas dans le jeu. Pourquoi? Je sais pas. Allez, Isaac. Allez, ça sort. J'aurais même pu attendre un peu plus encore parce que... Voilà, maintenant. Allez. Kobe, faut pas être gêné, s'il te plaît. Oh, il va être gêné par un seul, normalement. Ok, ça devrait aller. Kobe, il va être gêné. Kobe, en bout de ligne droite, on le sait, par le Pato Ward. Là, bouge. Regarde. Bouge. Merci. Ok, c'est bon. Par contre, faut pas être gêné parce que c'est notre seul tour de qualif. On n'en aura pas d'autre. Donc pour l'instant, on sort. T'inquiète, t'as qu'à connu. Bon, j'ai pas fait grand-chose hein, sur l'aide. Je t'ai pas beaucoup aidé. Hein. Donc pas de problème. Pourquoi il y a encore des mecs en inter là? Oh, ils sont pas sortis. Magnussen, Biermann sont pas sortis. Bottas non plus. Ah ouais, le mec Bottas, il veut plus rouler quoi. Il en a marre vraiment. Et... Oh, la deuxième place pour Isaac Hadjar. Mick chez McLaren, c'est effrayant. Ah bah là, il y a pas mal de trucs. Hein.
Il y a pas mal de changements. Bon, Kobe, normalement en Q1, il n'y a pas trop de soucis, on va passer. On va pas s'embêter. Ah, ça me gratte le nez. Voilà, il passe où ? Voilà, deuxième, évidemment. Évidemment, sur du sec, on est là. Bottas, Russell, Russell, Russell. Il est sur son tour chrono, Russell. Avec sa voiture Kata, qui va peut-être en profiter du coup. Hamilton et Verstappen, les gars. Bah ouais, regarde. Regarde, ils ont pas voulu sortir. Pour cher chez Féfé, hein ? Pas du tout. Qui est pour cher chez Féfé ? Pour cher, il est pas chez Féfé, il est chez Merco. Dans ma game, deuxième saison, Mercedes est avec Bottas et Pepe Marti. Putain. Ah ouais. Ça doit pas être terrible. Hein. Sainz a eu chaud parce qu'il a pas voulu ressortir. Verstappen, Hamilton et Norris, ils sont pas sortis, j'avais pas vu. Ah ouais, mais vas-y, l'IA, elle fait n'importe quoi en qualif. Casse la tête. À chaque fois, elle fait un tour de pluie, elle ressort pas. Comme j'ai raté en gros 3 semaines de stream, t'es comment en termes de niveau de l'écurie ? Ouais, on est la deuxième écurie. On est la deuxième écurie à peu près. Donc on est bien, ouais, on est bien. Vas-y, faut sortir maintenant par contre. En vrai, ça suffit, 93. On a quoi qu'il arrive une voiture qui est capable de faire des, de passer en Q3 sans trop de soucis. En plus, il n'y a pas Norris et tout, donc bon. Pas trop de problèmes. Pas trop de problèmes. Pas trop de soucis. On va passer assez rapidement en Q3. Moi, deuxième saison, c'était compliqué. Red Bull avec Verstappen Alonso, c'est solide. Ouais, j'avoue. Et nous, Carlos Sainz, c'est costaud. Mais là, en ce moment, ça va moins bien. Là. Ça va moins bien pour lui en ce moment. Isaac Hadjar, ok. Il va pleuvoir après, donc de toute façon, ça va être bloqué comme ça. Russell, je sais pas pourquoi il a une voiture aussi éclatée. Genre, pourquoi il est 22e dans pas mal caractéristiques. J'ai Verstappen, Norris chez H, j'étais surpris. Dans ta saison 2 ? Ah ouais, abusé. Salut Silvio, comment il va ? Dans ta saison 2, t'as eu ça ? Il vise le classement montagne pour l'instant. T'es rigolo. Eh, hey, Proxy, t'es rigolo. Les gars, j'ai pas rejoué à PCM. Et d'ailleurs, c'est un truc que j'aurais pu faire quand F1M me saoulait un peu. Faire un peu de PCM. J'ai pas rejoué à PCM depuis. On avait fait le Tour de France avec Ferrari et j'ai pu rejouer. Du jour au lendemain. Parce que ben, ça s'est arrêté. Putain, j'avoue, j'ai pas rejoué à PCM. Pourtant, j'aimais bien cette année PCM. Bon, on passe tranquille. On passe tranquille. Kobe, derrière Sainz. C'est le duel hein, de cette fin de saison. Hein. Sainz et Kobe, ils se tirent la bourre. Ils se tirent la bourre, les deux. Ah ouais, chez Kik, tu vas t'amuser. Hein. Tu dois t'amuser. Ok, faut vite sortir. Pareil, faut mettre des inters et vite sortir parce qu'après, la pluie sera plus présente sur la piste. Allez, petite sortie, ça sort tous les deux. À mon avis, qu'une seule tentative. On met les secteurs en haut, bam. On attend leur petit tour de chauffe, là. Et... Comment ça, du sec? Comment ça, du sec? Qu'est-ce qu'il raconte? On est pas sûr du sec, là. En vrai, bonne remontée de kick dans ta carrière, surtout que t'as boost leur écurie et que t'as aussi boost leur pilote. Oui, ouais. Dur, mais oui, ça va. On les a un peu boost, mais on les avait nerfs à une époque, je crois. Ça va parfaitement bien, j'ai la permission de rentrer chez moi avec un mois et demi d'avance. Oh, c'est bien Silvio, je suis content pour toi. C'est top. C'est top, top. Tu m'étonnes que ça doit te faire plaisir. On est vraiment à 1 mm de flotte là. 25.4, 25.5 pour Kobe. On n'est pas loin, on est derrière. 25.6, Hadjar, non. Ah, tu arraches un poil de barbe, de moustache. 25.5, Howard. Oh là là, non, Howard, imagine, il fait la pole provisoire. Ou la pole tout court. Howard, il a la bonne voiture, hein. Il a une meilleure voiture que Carlos Sainz. Il a toujours le meilleur deuxième secteur. 26 pour Ricciardo chez Aston Martin. 25.5, ça on a vu. Et il va finir en... 22.9 le dernier secteur, une 14.016. Il y a Sainz qui va finir derrière. Est-ce qu'il va lui prendre la place ou pas? Oui. Il passe en pole. Kobe, deuxième. Parce qu'après, à mon avis, on pourra pas améliorer. Hein. Isaac Hadjar, quatrième. Ok, on a Red Bull Twitch pour l'instant.
Et à mon avis, personne pourra améliorer derrière. Donc Sainz qui aura sa pole. La pluie. Non, la pluie qui... Attends, ils repartent. Ils retentent. Vas-y, j'ai envie de tenter, mais à mon avis, c'est débile. Je pense que c'est débile. On va essayer, mais à mon avis, c'est con de ressortir maintenant. Une 15 et tout. Sauf s'il y a un peu plus de gomme ou quoi. Est-ce qu'il y a des améliorations? Amélioration pour Isaac Hadjar, 25-5. Ok, pourquoi pas, la piste est pas mauvaise en fait. 25-5, Hadjar, est-ce qu'il peut aller gratter Kobe? Oh non, imagine, il gratte Kobe sur la ligne. Howard qui vient de passer devant nous. Oh le bâtard. Ok, Kobe, deuxième secteur violet. Vas-y Kobe. Ah ouais, mais son premier secteur est mauvais malheureusement. Malheureusement, le premier secteur est pas bon. Kobe qui vient de terminer, toujours là. Et Hadjar. Non, il reste quatrième. Ah, on sera sur la deuxième ligne. Troisième et quatrième, mais c'est pas grave. Piastri, neuvième, avec sa Williams. Joe, dixième, avec sa Visa Cash App. Et Mick Schumacher, qui est le seul McLaren ici. Ferrari peut se vanter d'avoir Russell et de faire une meilleure saison que Colomagno Pêche. C'est quoi, quel est le multiverse, le rapport de tout ça? Moi qui suis un bon vivant et qui aime la bonne bouffe, la bouffe dans les centres de rééducation, c'est pas top. Ouais, c'est sûr. Oh. Merci mon T-Bot encore pour le sub en tout cas. C'était il y a 15 minutes. Mais merci quand même, bien sûr. Je te l'ai déjà dit, mais je le rappelle. Tac. Alors, est-ce qu'il va faire beau? Est-ce qu'il va pleuvoir? Non, il fait beau tout le long. Il fait beau tout le long, c'est déjà bien. SMS, ça me paraît très cool. Ou alors SSM. J'aime bien SSM généralement. Sur un des deux, j'aime bien SSM. C'est vrai que généralement, j'aime bien tenter le SSM. Parce que souvent, la fin de course, ils sont un peu tranquilles. Alors, on va faire SSM pour Hadjar, mais on va faire du MSS à la fin. En vrai, un M agressif au début, pourquoi pas? Après, tu finis en double soft. Ouais. Et si on fait plutôt ça, agressif ici, et finir en soft avec la possibilité d'être... Vas-y, SMS pour lui. Ça n'a rien à voir avec la choucroute. Eh, vous me fatiguez, les gars. Proxy. Ok, on va rester comme ça. Pas trop agressif au début, quand même. Tac. Ok. Quatrième et troisième. On peut le faire. On peut aller chercher au moins Pato Howard. Par contre, Sainz, il est devant nous. Ce serait con qu'il reprenne des points. Là, si on finit devant lui, si on finit premier, lui deuxième, imaginons. On revient à un point de Carlos. Donc si on prend le meilleur tour, on est égalité avec lui. Et parce que tu dis à tout moment, je me casse. De toute façon, vous attendez que ça, t'attends que ça. J'ai l'impression que t'attends que ça, de toute façon. C'est ça que tu veux te barrer? Vas-y, barre-toi. Salaud. Il reste encore beaucoup à faire. Il me semble que sur... C'est bien, quand tu vas sur la page d'Instant Gaming de FM Manager 24, on est dessus. Bonjour, c'est nous. Salut Instant Gaming, comment tu vas? Achète le jeu, bien sûr. C'est clair, c'est ouf un proxy. Hein. Tous les modos, ils se barrent, je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que je leur fais, pourtant je leur fais rien, quoi. Je leur demande rien, tu vois. Ils ont pas besoin de passer sous le bureau, rien, je sais pas. Franchement, je sais pas ce qu'ils ont. Vraiment, j'ai l'impression que je suis si atroce que ça, c'est ça? Pourtant, il y a des mecs comme Poney Club, c'est pire, quoi. Allez, on y va. Oh, le bon départ. C'est Kobe ou non? C'est Kobe, il est là. Oh, les deux Red Bull devant, faut aller les chercher. Faut aller les chercher, les deux Red Bull devant. Va falloir aller les chercher, je vais vous le dire. Tu peux arrêter de passer sous le bureau? Bonne news. Les autres n'ont pas eu besoin de passer sous le bureau. Bien joué, les gars. Vous avez fait la bonne vanne, tous les deux. Non, bah vous êtes les récents, plutôt récents, donc ça va. Tu payes pas assez cher. Mais le pire, c'est qu'ils sont... Alors, en fait, le truc, c'est qu'ils sont souvent là. Quand ils sont pas modos ou quoi. Et ils proposent leur service. Et une fois qu'ils sont modos, je les vois plus. Donc, au final, je dis, mais attends, mais... Pourquoi? Du coup, c'est quoi, en fait? Sinon, je les mets plus. Hein. Ouais, Starfighter, il est modo. Bah, c'était une journée où il y avait personne d'autre, je crois. Bon, après, Starfighter, il va reprendre le tap, je crois, après. Il me semble. C'est ça que t'avais dit. Hein. Ils sont en full push.
Non, 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 ils sont pas payés. Je te jure, ils sont... Je sais pas pourquoi. Hein. De toute façon, je vais enlever tous les modérateurs de cette chaîne, j'ai bien compris. Bon, Howard et Sainz, ils sont beaucoup plus rapides que nous, mais c'est surtout qu'on conserve la gomme, nous. On n'a pas envie de défoncer notre gomme. Vous défoncez pas, par contre, s'il vous plaît, les gars. Je les laisse un peu se push mutuellement, mais pas trop. Hein. Par contre, non, Adjar, vraiment, va pas falloir que tu gênes ton coéquipier. Là, je vais laisser. Mais si tu te fais doubler, après, tu ralentis, s'il te plaît. Voilà. Adjar, ça va être... Non, rentre pas au stand, ça va être... Ne pas gêner le coéquipier. Payer en nature. Concrètement, il risque de l'époque FM Venise. Oh putain! Je sais pas, faut demander au chat qui était là quand on jouait avec Venise. Enfin, toi déjà, que tu sois là, c'est beau. C'est... Venise! Ok, 2 secondes 3, c'est pas si grave. 6 tours. On va continuer à encore consommer un peu d'essence. 85%, c'est bien. Ils sont à 72 déjà, Howard, là. Il est en train de défoncer ses gommes. Par contre, Adjar, vu qu'il est derrière, est-ce que je peux le mettre, genre, rester dans le clean air un peu? T'étais pas né à l'époque de Venise? Putain, même dans le clean air, en fait, il se passe rien, genre. Mais il double quand même. Pato, Calcraquito. Crash Gate avec Adjar. Non. Vettel Longo, ça m'avait dégagé parce que trop de salaire. Ah, putain. Ah mais Vettel, c'est ton blaze maintenant. Ah bah oui, mais si, je me souviens. C'est vrai qu'à une époque, en gros, les subs, vous aviez la possibilité sur la carrière de Venise avec sur FM d'avoir votre blaze dans le jeu. Genre votre joueur, en gros, qui était à votre nom. C'était drôle. Vraiment, c'était drôle. Attends, on va faire push un petit peu notre ami Kobe sur un tour pour qu'il rattrape les Red Bull. Regarde. Brrr, hop là, il est dedans. Et merde, il a lâché. Putain, merde. Du coup, j'ai même lâché Isaac Adjar. C'est pas grave. Isaac Adjar va revenir aussi. Kun Capello, c'est lui. C'est lui, Kun Capello. Allez, Kobe, du coup, qui est revenu sur les Red Bull, regardez-le. Oh, il va doubler. Oh, il va doubler. Oh, il va doubler. Il a pas peur, il a pas peur. Il a peur. Ah, les pneus de Ward, c'est dur, ouais, j'avoue. Mais le problème, c'est qu'il reste trop près de son coéquipier depuis tout à l'heure, je pense. Isaac Adjar, je peux pas le faire coller tout de suite, parce que sinon, ça va être la merde. Je veux pas le faire recoller tout de suite parce que sinon ça va être chiant. Mais je pense qu'il va revenir naturellement. Parce que devant ça a l'air d'être un peu lent. Ah voilà, il est revenu. Il est revenu. 49% Howard. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais ils sont tarés les mecs. Howard, les pneus c'est dur. Non, c'est des softs. Qu'est-ce qu'il est drôle Proxy. Mais c'est pour ça qu'il est modo en fait lui. C'est pour divertir la foule. Il divertit la foule. Et c'est ça qu'on a mis, divertir la foule. Bon, au bout d'un moment, ce serait bien que ça rentre au stand ou qu'il tente un truc. Regarde, allez, c'est pas grave. Allez, c'est parti. C'est parti, petite agressivité. Petite agressivité. C'est maintenant qu'il faut y aller. Hop là! Maintenant, faut lâcher Howard, faut lâcher Howard. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une prédit, qu'est-ce qui se passe? Qui fait le meilleur premier pit stop? Comment ça? Entre qui et qui? Adjar, Kobe ou le même temps? Ah, pas mal, coquin. T'attends des choses ou Jean là, dis donc, tu serais pas streamer depuis quelques temps? Ok, Kobe a lâché Howard qui est en galère. Adjar, pareil. Va falloir essayer de revenir un petit peu. Sur Howard assez vite. Et lui mettre une piquette. Kobe avec Sainz, attention, ça s'accroche les deux. On va le mettre en déploiement pour aller le chercher assez vite là. Il a des gommes éclatées, voilà. Il est rentré au stand. Il est rentré au stand, du coup. On a Howard qui est au stand. Est-ce qu'il va se rater? De quoi Proxy, qu'est-ce que t'as dit? Pas vu. Je vais jamais le faire car après tu perds beaucoup de place car tes concurrents ont eu des pneus neufs. Attends, question, si tu gères bien tes pneus, tu peux pit plus tard que prévu à la base. Oui! Oui, ça c'est possible, mais... Non, je crois que ça, généralement, ça dépend quand même de ta ligne à toi et de tes stats. Hein. Il me semble bien. Je crois que ça n'a pas trop d'impact là-dessus. Hein. Bon, par contre, Kobe, là, faudrait faire la diff avec Carlos, là. Allez, déploie un peu, là, s'il te plaît. Lâche-le un peu, regarde-le dans le rétro, là, et lâche-le. Oui! Ça part! Ça part!
Il va avoir le DRS, mais il va peut-être rentrer au stand un jour, non? Est-ce qu'on peut le lâcher, là? Putain, il revient avec les deux zones de DRS relou, là. Il fait l'effort. 35, mais il va bientôt lâcher. Isaac Adjar est bien. On est pas mal. On dit, ah, c'est full push. Alors, pas, ça dépend les pilotes, mais ouais, généralement, ils pushent pas mal. Et là, tu vois, Sainz, il va être gêné un peu par Pourchaire. C'est pas plus mal. Howard, qui est reparti en soft, mais lui, il conserve pas très bien ses gommes. Et là, on devait rentrer au 24e, et là, au 24e aussi. On va quand même conserver. J'ai quand même envie de rester sur la stratégie qu'on a. Bon, par contre, une 15-2-1. Howard, il est en full agressivité, hein, mais c'est pas grave. On sait qu'il va niquer ses gommes à nouveau. Ça nous gêne pas. Sainz aussi, il revient. En vrai, Kobe, je peux peut-être le rendre un peu plus agréable. Adjar, il est un peu en galère, là. J'ai l'impression qu'Adjar, il est un peu en galère. Adjar, je vais le faire rentrer plus tôt que prévu. Undercut va être puissant, mais ils ont déjà undercut sur moi, mais c'est pas si grave, en vrai. C'est pas si grave parce qu'on va avoir quand même la possibilité de revenir après. J'y crois. Adjar, il va rentrer maintenant. Alors Adjar, regardez le temps parce que c'est la prédit. C'est la prédit. Combien de temps son arrêt? Faut noter, Ujin. Attention. Bon, il a déjà perdu des places. 2 secondes 300, c'est simple. 2 secondes 300, c'est très très simple, hein, bien sûr. Et Kobe, il va suivre. Mais lui, il ressort en médium. Kobe va suivre. 2 secondes 300. On va être derrière Pourchaire et derrière aussi Ricciardo, je pense. Voir Gasly. Ah, ça va être un peu chiant, ça. Oh, on est gêné par les deux. Oh non, on est à un endroit où... Vas-y, relou. Ça va être relou. Et Kobe qui rentre. Alors oui, ils vont me passer devant les autres, mais regarde, ils ont quand même des gommes déjà bien usées. Après, ils vont peut-être mettre des hards, du coup. Ils vont peut-être remettre des hards pendant qu'on sera en soft avec Kobe. On verra ce qu'il en est. Oh, 2 secondes 522. C'est Isaac Adjar qui gagne, messieurs. 23 secondes. En tout cas, il ressort devant Pourchaire et il est... Ouais, il est assez loin. Ouais, non, ça va. Après, il peut être agressif, Kobe, à l'inverse de Pourchaire, de Adjar. J'imagine trop être sur le circuit en train de leur hurler des insultes. Ah ouais, pourquoi? C'est pas chou, ça. C'est pas chou d'amour de faire ça. Kobe à 8 secondes 5, mais avec ses médiums. Ils ont un bon rythme encore devant. Un bon rythme, mais on revient. Je vais les voir bouger sur la trage. Oh, ça va. C'est pas grave. Ok, donc là... On a Howard qui va rentrer bientôt. Je sais pas quelle gomme il va mettre parce que même Dehard il pourra pas tenir. Hein. Howard il va faire 12 arrêts le mec. Je sais pas combien d'arrêts va faire Howard mais il va en faire. Pourchaire, Verstappen, ok. Piastri 11ème. Après ça a du mal à revenir. Hein. Norris ça revient pas. Hamilton non plus. Et Russell les gars il est dernier. Il a bien la pire voiture. Il est dernier de chez dernier. Il a des pièces, c'est même plus des pièces qu'il a. C'est cata. C'est Monza le prochain Grand Prix, ouais. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un accident! Que se passe-t-il? Qui s'est crashé? Un accident impliquant plusieurs voitures! Oh, la McLaren de Mick Schumacher. Bah ouais, évidemment. Est-ce qu'il a fait le freinage tard? Oh là là! Il a dit, vas-y, c'est bon, j'y vais. Ils essayent de repartir. C'était quoi? Sérieusement? What the fuck? Ouais. C'est un peu de sa faute, je dirais, quand même. Howard qui part sur une stratégie. SSSSMMMH. C'est un peu ça, hein. C'est clairement ça qu'il est en train de faire. Pénalité de temps pour Joe. Ah, ah ouais, c'est Joe qui a fermé la porte en fait. Mille excuses. Faudrait que Kobe revienne là en utilisant un peu les gommes là.
87, il va revenir, j'y crois. En plus, on peut hein, être plus agressif hein, là-dessus. Hein. On avait la possibilité de le faire avec, avec Kobe, donc c'est ce qu'il fait. On a une bonne préservation des pneumatiques. Sainz, lui, est à 60% sur ses gommes. Et du coup, pareil, je sais pas comment ils vont ressortir après. Ok, ça commence à rentrer devant. Howard obligé de rentrer, qui ressort avec des médiums. Ça rentre aussi là, il y a les féfés là. Kobe, il est pas loin de Sainz maintenant. J'ai envie de faire un petit tour agressif pour qu'il rattrape. Ok, mais je suis en train de carbo mes pneus. C'est bon, je suis là. Tac, on se remet en agressif. Ok, Kobe est revenu. Il est là. Oh la vitesse. Oh. Ah, la vitesse qu'il a mis là. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a activé quoi? Il a tout activé? Incroyable. Ah, déjà un peu plus loin, mais Kobe est bien. Kobe est bien dans la course. Kobe, il est là. Kobe dépasse Sainz. Regarde la vitesse de dépassement de Kobe, quoi. Allez, on va revoir ce qui s'est passé de plus près. Est-ce qu'il va réussir à passer? Kobe le beau gosse. Ok, derrière on a quoi? On a du Sainz. Est-ce que quand je mets pause comme ça, ouais. En fait, le truc, c'est que tu vois, faut que des fois, je fasse des pauses pour faire les minias. Hop là. Regardez cette belle minia. Elle est pas belle, celle minia? Elle est magnifique. Oh, Ronald DC, comment il va, Ronald DC? Non, mais la Féfé, je sais pas pourquoi ils ont les pires pièces. L'OM et Everton sont toujours intéressés par Lorenzo Signon. Bah, ce serait bien qu'ils viennent, en vrai. En tout cas, on a signé Neil Mopé. Super. Ah, Sainz est rentré. Il va sortir avec quoi? Comment il va le ronron? Je t'ai envoyé un truc sur Discord, je sais pas si t'as vu. Il ressort en soft là? Mais ces softs, ils tiendront pas jusqu'à la fin. Ils tiendront pas du tout jusqu'à la fin, ces softs là. C'est impossible. Ok, donc il fera un nouvel arrêt. Regarde MP, qu'est-ce que t'as mis encore? Qu'est-ce que tu m'as répondu en MP? Bah là c'est une stratégie de 3 arrêts pour les autres hein. je vois pas comment ils peuvent faire autrement. Non je couvre pas. Non t'es fou. Je couvre pas. Après on sera en soft, t'inquiète. Y'a pas de couverture. Pas de couverture. Les 3-4 secondes qu'on aura, on va les manger. On va les manger. Ils vont s'arrêter à nouveau, c'est pas un souci. Bidon leur strat, bidon. Bon, Adjar, par contre, il a un rythme pas ouf. Bon, ça, on sait. Il va m'aider, tu vas pleurer avec la fessée qui va. Mais non, mais toi, est-ce que tu connais, toi? Est-ce que tu nous connais? Tu nous connais? Non, tu nous connais pas. Isaac. Rentre mon bébé. T'es bien mon Kobe. T'inquiète pas. Les écoute pas, ils connaissent pas. Les mecs qui regardent la F1 depuis Netflix. Les écoute pas. Chut. Écoute pas. 2 secondes 353. Regarde sur Canal. C'est chouette. En vrai, c'est chouette. Hein. Oh, safety car qui vient d'arriver. Putain, non. Voilà, c'est pas chouette. Voici, c'est chouette. Parce que dans tous les cas, on va mettre des softs et on ira jusqu'au bout avec les softs. Mais ce qui est embêtant, c'est que Adjar vient de rentrer. Putain. J'ai de la chatte. J'avais dit. Mais t'avais rien dit, fais pas le mec. Tu peux pas savoir qu'il y avait une safety car. Ta stratégie que tu me disais, t'es bidon de base. Oui, Mick Schumacher, encore lui, il a dit rien à foutre, cette game, je défonce. Ce GP, je les mange. Oh là là, les Irma, là. Mais j'avais dit de rentrer avant. Mais c'est toi qui vas rentrer. Laisse-moi tranquille. Tu dis de la merde, ça rend fou. Quand vous dites de la merde, dites rien plutôt. Howard. Ouais, ok, ils vont mettre ses softs maintenant, ils sont tranquilles. Et c'est des softs usés, sûr et certain, c'est des softs usés.
sûr et certain, c'est des softs usés. Ils ont pas ce qu'il faut. Ils ont pas ce qu'il faut, on sait. Bon, par contre, Adjar a pas besoin de rentrer. Ça fait chier. Bien strict chez Williams, ça. Kobe qui va devoir rentrer, lui. Allez, Kobe, rentre. C'est pas des softs usés, les bâtards. Et hop là, on sort devant. On sort devant. Ça redistribue les cartes, mais pas trop non plus. À part Adjar. Ah, Adjar, j'aurais dû le mettre en soft, mais j'en ai plus, je crois. Si, j'en ai encore, je suis con. Bon, ben, re-rentre. Non, je peux plus re-rentrer, je suis un connard. J'ai oublié de faire rentrer Adjar. Attends, elle est où la safety? Ok, il a le temps, il a le temps. Il a le temps, c'est bon. Parce que là, après, on va faire passer tous les retardataires. Papapam. Les retardataires, ça va dégager. Ok, c'est bon. Alors, on va se remettre comme ça pour après. On se remettra comme ça pour la course. On sera bien. Oh, les gars. Je peux pas full push, là. T'es au courant que je peux pas full push? Est-ce que tu sais la longévité des softs là-dessus? Non, tu sais pas. Arrêtez de rendre fou. Alors que... Hein, s'il vous plaît, là. Oh là là. Vous rendez fou, hein. Ah non, vous rendez fou, je vous jure. Non, même avec les médiums, pas tant que ça. Ça sert à rien. Ça sert à rien, ça sert à rien. On est sur des softs. On est sur des softs, vous inquiétez pas. Il y en a, heureusement que vous êtes pas ingénieur de course, hein, je vous le dis. Hein, parce que sinon, vous serez dans la merde avec votre écurie. Ah ouais, vraiment. Moi, je connais mon écurie, ok? Je la connais, mon écurie. Toi, tu la connais pas, toi. On se connaît, nous. On sait nos forces et nos faiblesses. On sait ce qu'on peut faire. Kobe devant. Kobe toujours là. Viré dès la première saison sans points. T'as été fort. Franchement, bravo, t'as été fort. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une prédit qui finit sur le podium. Adjar, Kobe, les deux, aucun. La prédit du jean. Du coup, Russell a réussi à gagner une place. Ah non, pas trop. Oh, le pauvre. Terrible, Russell, ce qui se passe pour lui. Fin de la safety car, on est où? Ok. Ok, tout le monde repart ici. Super. Il n'y a vraiment que les 8 premiers qui sont dans le bon wagon. Adjar, de ton côté, sois agressif. Ne gêne pas le coéquipier, on s'en fout. Maintenant, tu y vas. Alors, on va voir un peu la bataille qu'il y aura, là. Waouh, on est vraiment là, on est penché, hein. Yeah. J'ai tout misé sur les deux, ok. Comme ça, je rentre Isaac Adjar dans les stands, direct. Ok, bon départ de Kobe. Kobe inarrêtable. Kobe. On va pas push les gars sur les pneus, ça sert à rien. On va finir à la limite et c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Aucune utilité de push, on va servir du DRS, on va faire tout ça, vous inquiétez pas, on va gérer. Par contre, Adjar, j'aimerais bien qu'il aille taquiner Ward, mais bah non, c'est Sainz qui est d'abord devant. Ok, parce que là, évidemment, dès que le DRS sera activé, ils vont venir nous chercher. Par contre, Adjar, faut rester proche, s'il te plaît, Isaac. J'ai envie que tu conserves tes pneus, parce que je sais que si... Hein, s'il te plaît. Oh, drapeau jaune, qu'est-ce qui s'est passé? Blocage de Ricciardo, c'est pas grave. Adjar a du mal à tenir. Adjar a du mal à tenir la cadence. Même si là, ok, il revient un petit peu. On a été recollé. Sides est avec nous. Vas-y, reste au contact, ok. Ok, on est au contact. J'ai tenté la grosse cote, j'ai mis aucun, je suis le seul. Ah là, j'avoue que... Putain, personne a mis juste Adjar, genre. Après, Kobe devant, je peux comprendre. Eh oh, il y a de la terre, là. Il nous a lancé de la terre, monsieur. Allez, Kobe, Howard. Non, par contre, Howard, faut que ça dégage. Hein. Le problème, c'est que là, il va venir nous doubler, on le sait. Oh, regarde, Howard, il est vénère. Il a déjà le DRS activé. Mets-le dans le mur. Ah, le salaud va même se faire doubler par l'extérieur, par le Red Bull. Oh, le duel des 4. Incroyable. Bon. Quoi qu'il arrive, on va tenir un peu. On a un meilleur rythme qu'Howard avec Kobe. Ça, j'en suis persuadé. Donc, il va pas s'en aller. J'espère, du moins. Il est en train de s'en aller. Il va pas s'en aller, mais il est en train de s'en aller. Il essaye de push. Hein.
Il essaye de push, le salaud. Il veut nous lâcher un. Il veut nous lâcher un. Il veut nous lâcher, mais on va lui dire non. Ok, DRS à nouveau, c'est bon. Ouais, Howard, il tiendra pas longtemps avec ses gommes. Elles sont cata. Elles sont cata. Tant qu'on reste là, ok. Ok, ok, c'est bon. On reste avec eux. On reste avec eux. Nous, regardez. L'avantage, c'est que notre voiture conserve énormément les gommes. Voilà, là-dessus, on est fort. On sait nos forces. On sait nos forces. Je vous l'avais dit, on sait nos forces. Et là, ça, c'est une de nos forces. Conserver nos pneus. Salut, Wanadjidjidjik d'amour. Comment il va, le Wanadjidjidjik? Sainz derrière Howard. Martin Duval à une demi-molle. Putain, j'avoue. C'est sûr. Le Martin, là. Bon matin. Ok, Kobe reste au contact d'Howard, mais j'avoue que ses pneus, c'est pas ça. Là, oh, Sainz qui prend une seconde 4, qu'est-ce qui lui arrive? Il vient de se faire lâcher, Hadjar aussi. Hadjar, par contre, les gommes, chaud chaud les gommes. Chaud chaud les gommes d'Hadjar. Oh non, je vais niquer tout son ERS, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. De toute façon, le podium, ça va être dur pour Isaac, hein, je le sais. Kobe va tenir. Oh non, on va être gêné par une Alpine de mort. Pousse-toi! Tu rends fou. Ah ouais, ok, c'est pour ça qu'il a été gêné tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais de beau, Anna? T'as travaillé aujourd'hui? Hadjar 69%, autant que Sainz. Sainz, il est... Hadjar, il a galéré avec ses gommes aussi. Hein. Oh, on y va direct. Oh, bien joué, ça. Bien joué, ça. Bien joué, ce qu'on lui met. Allez, bye. J'ai plus de pastilles de lave-vaisselle, obligé de le faire à la main comme un clochard de pauvre. Ah, t'es vraiment un pauvre, en fait. Hey, t'es vraiment un clochard, il a même pas de... Le mec, il a même pas de la vaisselle. La honte. Oh, on a mis une seconde 5. On a lâché un petit peu, les gars, une seconde 5. Regardez, devant, il y a Russell qui est lent, si lent. Oh, Russell, il est retourné dernier, c'est une folie d'être si lent. Mais... Pousse-toi, bordel! Et pourquoi il est si lent, Russell? Il a la pire voiture, mais de loin, je comprends pas pourquoi il a... Putain, ils reviennent. Howard, il revient. On a été gêné par Russell et du coup, ça revient. Hadjar a le DRS, impeccable. Il a le DRS, allez, donne-nous. Allez, pousse-toi maintenant. Putain, il est revenu, ils sont revenus. Oh, Sainz, Hadjar est revenu. Drapeau rouge. Non, non, qu'est-ce qu'il y a? De qui? De quoi? C'est qui encore le naze? Bah alors, Yuki, qu'est-ce que t'as fait? Mais où c'est qui s'est planté? Ça va qu'on a encore des softs. Mais ça redonne encore des softs à Howard et tout. Ah mais c'est avec moi! Bah c'est quoi ce crash de merde? Évidemment, du côté de l'équipe, les choses ne se passent pas comme on l'espérait aujourd'hui. Mais non, je lui ai mis des médiums à un moment donné, non? Premfire. Attends, tu me mets le doute, je lui ai mis des médiums. Mais je lui ai mis des médiums à un moment donné à... Mais oui, il était en SMS. Mais non, Kobe, il était déjà en SMS, les gars. Vous vous affolez pour rien, regarde. Vous êtes fous. Il était déjà en SMS. Premfire, t'as... Mais hey, faut suivre, hein. Mais regarde, c'est écrit là! Il avait des médiums! Premfaya, t'as pas suivi la course en fait! Allez, on va finir comme ça. T'inquiète, Premfaya. Mais je vois que t'as pas suivi quoi. Non, ils avaient pas la même strat les deux. Allez les gars, ça repart. Mais peut-être que eux ils ont plus de médiums hein, parce que Howard il en a mis des médiums. Oh, il a des hards! Oh, le pauvre nul, il a des hards! Oh, le naze, il a des hards! Oh, c'est Sainz! Oh merde, c'est Sainz! Alors attends, parce que là, Kobe, on va lui faire un tour méga agressif. Pareil pour Hadjar. À l'attaque sur le premier tour, là. T'inquiète, Premfire.
Allez. C'est quoi ce départ de naze? Oh. Ah oui, il est resté devant. Ah, le problème, c'est que c'est Howard qui est derrière. C'était pas voulu. Ouais, j'aurais préféré que ce soit Sainz qui reste derrière avec ses hards. Alors attends. Est-ce que je peux rester agressif tout le... Normalement, oui. Mais c'est que je veux voir si... Ah ouais, bon, je peux pas voir. Mais oui, oui, je pourrais être au moins agressif. Mais on va faire un ou deux tours en attaque. Ah, Russell, c'est triste, hein, par contre. Hein. Attention, parce que du coup, Adjar... Oh, Adjar! Il va aller chercher Sainz qui est avec ses hards. Et c'est bien, ça, hein, que ce soit Sainz avec ses hards, au final. Parce que c'est lui qui est... Pour l'instant, on est premier du général avec ça. Regardez. Oh là là, Yokobi qui passera en tête. Oh non, ça nique pas tant la prédit que ça. Hein. Là, il en fout. Oh, il y va! Vas-y, vas-y. Oh, il y allait. Oh, il l'a tassé de fou, là. J'ai eu l'impression. Bon, par contre, Howard, il est relou. Il reste avec nous, Howard. Il casse la tête un peu, le Howard. On a pris déjà 3 secondes 5 à Jarry Sainz, là. Et Kobe, je sais pas si je vais pouvoir lâcher. Il est rapide, Howard. Hein. Il a une bonne voiture. Hein. Ça va se jouer. Et merde! Je leur ai niqué le RS, putain. Si Jarry a perdu le podium, et là, Sainz va l'air. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, mais... Ah non, non, non! Ah, les pneus, les pneus, les pneus, les pneus. Bon, de toute façon, on va rester comme ça en vrai, dans tous les cas. Ok, Kobe, le contact avec Howard. Ok. Bon, de toute façon, il faut qu'on reste en agressif, il reste que 6 tours. Donc, on va rester comme ça, c'est sûr. Le truc, c'est qu'il faudrait que j'économise un peu avec. Avec Kobe. Ah! Putain, vas-y. C'est nimp. En 2 secondes, il perd tout, là. Parce que je veux récupérer de l'ERS pour aller le manger à un moment donné. Adjar! Putain, Adjar, c'est pareil. Ok, il va revenir. Il va revenir sur le rythme. Vous inquiétez pas. Il va revenir sur le rythme, j'en suis certain. Il a un bon rythme, le Howard, là. Un peu relou. Un peu relou, le Howard. Bon, Adjar, il est revenu. Pas grave, on continue d'être agressif. Par contre, si je perds face à Howard, je pète un câble. Ouais, il est comme moi, il est agressif comme moi, quoi. Et pour Cher, qu'est-ce qu'il branle? J'avais pas vu que c'était pour Cher qui était là. Il reste 3 tours. J'avais vraiment pas vu que c'était pour Cher qui était là à 3ème maintenant. C'est possible créer une 11ème écurie mais débuter chez Fefe. Oui, tu peux. Tu peux créer une écurie et partir mais via le mode. Mais en gros, à la fin de la première saison, tu peux te barrer. Genre dès la fin de la première saison, mais du coup, tu peux aussi partir. Oh, Norris, j'avais pas vu. Mais tu peux aussi toi-même te faire aller ailleurs en gros. Bon, va falloir être à l'attaque sur la fin là. Je laisse encore un tour comme ça. Ok, et maintenant on va passer à l'attaque, rien à foutre. Rien à foutre sur la fin, on va passer à l'attaque. Adjar aussi, non Adjar plus besoin. Adjar il a mis 2 secondes 3. Alors oui les gommes sont dans le rouge mais c'est pas grave. Il faut que lui-même en fait il soit à l'attaque pour tenter des trucs. Non faut aller gagner là, je suis désolé, faut aller gagner. C'est le dernier tour. Et c'est le dernier tour. Oh le bâtard. Ouais. Le reste du dernier tour, mais là, putain, il est là, il tient. Oh, le bâtard. Attends, on va doubler après. Ah, il tient, il lâche rien, le Ward. Non, faut... Prends le RS de... Tu vas le mettre là, regarde. Là. C'est là que tu vas faire la diff.
Et après, là, t'auras pris assez de... Assez, 19% si t'auras pris assez, t'inquiète. Il va pas revenir. On a la voiture de la ligne droite. On a la voiture de la ligne droite. Tu vas pas... Il va pas t'avoir. Il va pas t'avoir. T'es trop loin. T'es un génie. Et voilà. Et ça, c'est ce qu'on aime, ça. Kobe, il est parti. Une seconde. L'accélération qu'il fallait. Il n'y a plus personne derrière. La vie... Oui, c'est la victoire. La victoire de Kobe. Avec le meilleur temps en plus. Mais c'est beau, ça. Vamos. Ça manque ce genre de dernier tour IRL. IRL, on se fait chier. Hadjar et Sainz est seulement 5e. Il a perdu beaucoup de place. Super travail tout le monde avec la victoire de Kobe. De Kobe, Hadjar 3e. Bye bye Jarvis. Hamilton est 8e. Putain, Russell. Et Russell, les gars, il a la pire voiture. Je sais pas pourquoi. Mais ils lui ont pas mis les pièces. Il a la 22e voiture. Il a pris 1 minute 15 par Iwasa. Alors qu'il y a eu un drapeau rouge dans les 10 derniers tours. Pour vous dire. Kobe qui se prend pour Norris, j'avoue. C'est vraiment impressionnant. On vient d'assister à... Putain, elle est toujours affreuse la combi, j'ai parfaite. L'écurie a fait parler sa stratégie et cette victoire méritée en est la preuve. Cette victoire méritée. Russell au GP Explorer. Qui vient célébrer cette magnifique performance. Alors à votre avis, quelle sera l'ambiance dans l'équipe après les performances? Il y a le truc du FL qui me demande si j'ai testé leur bêta là dernièrement. Pas trop hein. Je t'avoue que j'ai pas trop retesté UFL. Là. Vous avez testé UFL la dernière bêta? J'avais été déçu de la dernière, vraiment. Quoi, de la deuxième? Verstappen qui gagne 13 places à la maison. Yukobi qui en gagne 2 et qui est premier. Isaac Hadjar qui est 3. Carlos Sainz avec son mauvaise gestion de pneus se retrouve 5e. Et Yukobi en tête du classement général. Et B.